L'UDOGEC est le service économique de la direction diocésaine de l'enseignement catholique du Finistère qui fédère l'ensemble des 209 OGEC attachés au réseau des établissements du premier et du second degré. Le projet d'éducation que porte l'enseignement catholique du Finistère s'enracine tout d'abord dans une vision chrétienne de l'homme, afin que soit mis en œuvre l'esprit de l'Évangile, à la fois dans les apprentissages, les enseignements, les relations entre les personnes au sein de nos établissements, dans le pilotage et le management de ces établissements, dans les activités, dans la gestion. Et c'est ainsi que nous avons souhaité déployer des orientations autour de 5 axes majeurs. Tout d'abord, faire de l'exploration éducative et des initiatives ou innovations pédagogiques une priorité. Deuxièmement, avoir le souci constant de faire réussir et de faire grandir chaque personne. Troisième orientation forte, c'est ce à quoi nous invite l'Église, vivre en communion, vivre en réseau, vivre en solidarité. Faire, quatrièmement, de l'Évangile un chemin de foi et un chemin de progression en humanité. Enfin, cinquième orientation, parce que nous avons à préparer de manière constante l'avenir, se situer résolument dans une démarche prospective pour analyser à la fois les changements qui traversent notre environnement et qui traversent l'école et anticiper, préparer l'avenir. L'enseignement catholique du Finistère accueille aujourd'hui 62 812 jeunes dans 184 écoles maternelles et primaires, 47 collèges, 38 lycées, donc 5 lycées agricoles, 3 instituts d'enseignement supérieur et un centre de formation pour adultes. L'UDOGEC du Finistère fédère toutes les écoles et établissements au travers des OGEC. Elle assure l'accompagnement du projet pédagogique retenu par Patrick Lamour, le directeur diocésain. L'UDOGEC du Finistère assure diverses activités opérationnelles auprès des écoles et établissements. Nous prenons maintenant la direction de Brest avec Nicolas Guillou, qui est chef d'établissement sur le groupe scolaire Javouet, et d'Olivier Cap, qui est attaché de gestion. Ils nous présentent leur projet. Donc là, on est dans un contexte où nous avons 3 sites différents. Nous sommes en réflexion sur chacun de ces sites-là. Donc il y a peu de temps, le groupe scolaire s'est engagé sur des travaux importants sur l'îlot Saint-Sauveur avec la création d'un nouveau bâtiment pour le collège et l'enseignement supérieur. Un pari, puisqu'à l'époque, nous avions 80 élèves sur le collège et on a engagé quand même plusieurs millions d'euros sur ces travaux-là qui étaient nécessaires sans doute, mais sans l'assurance d'avoir les effectifs qui suivent derrière. Et pour prendre des décisions engageantes pour l'établissement sur le moyen long terme, on a souvent besoin de se poser un peu, de prendre un peu de hauteur et de faire appel à des personnes qui sont extérieures à l'établissement, avec un degré d'expertise important également. Et donc l'UDOGEC m'apporte ça. L'UDOGEC organise une sorte de veille économique, informationnelle, juridique sur plusieurs aspects qui nous intéressent au quotidien. La partie sociale notamment, la partie réglementation ERP, établissements qui reçoivent du public, la gestion des subventions. La grande majorité est quand même pour une aide sur les relations sociales entre l'employeur et le salarié, qu'elle soit dans la relation du contrat de travail ou parfois aussi sur des aides techniques en paye. Alors dans le cadre donc de son observatoire économique, l'UDOGEC nous propose un certain nombre de ratios financiers à suivre qui sont communs à tous les OGEC du Finistère. Donc on a plusieurs ratios, 2 ou 3 principalement, qu'on suit de manière très précise et qui quelque part, là aussi, nous rassurent au moment où on va lancer des projets. L'école et le système éducatif vivent de profondes mutations pour relever les défis éducatifs pour le 21e siècle. Il s'agit bien de former des élèves à devenir des citoyens responsables, éclairés, capables de prendre des décisions, de grandir, de progresser, motivés et impliqués dans leur parcours scolaire. Les enjeux de société et les enjeux environnementaux nécessitent donc que l'école s'adapte, que les enseignants innovent, explorent toujours de nouvelles pistes, de nouvelles pratiques professionnelles. Quels que soient les besoins, c'est aussi favoriser l'inclusion scolaire, en évitant ainsi toute forme de radicalisation, toute forme d'exclusion et développer au contraire un sentiment d'appartenance. Pour l'enseignement catholique du Finistère,
éduquer à la fraternité, éduquer à la relation, à soi, aux autres, à la relation au monde, à la relation à Dieu, sans oublier l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, constitue une réelle priorité dans la formation des élèves. Les défis environnementaux nécessitent que l'école développe la sensibilité et l'engagement des élèves en faveur de la nature et de la planète, en leur permettant de s'impliquer dans des actions à conduire au sein de l'école en lien avec leur environnement. L'écologie intégrale est au cœur du projet d'éducation de l'enseignement catholique du Finistère. Pour cela, tous les services et pôles de la DDEC collaborent et contribuent. En particulier, bien sûr, le pôle économique et financier qui permet, par son engagement, de soutenir les évolutions. On poursuit dans le Sud Finistère avec Catherine Croque, qui est chef d'établissement au collège Saint-Pierre à Briec depuis 2 ans, un établissement qui poursuit sa mue immobilière. Aujourd'hui, du fait de l'augmentation des effectifs du collège, il me faut déjà penser à agrandir le collège. Et j'ai fait appel au service de l'IDOGEC pour qu'il me guide au niveau des architectes et dans les besoins de l'établissement que j'avais déjà imaginé. Alors, le bâtiment derrière moi va être complètement rénové. Je peux vous présenter ce bâtiment déjà sur plan. Parce qu'aujourd'hui, le préau est beaucoup trop petit pour le nombre d'élèves qu'on accueille. Et rénover le bâtiment, l'ancien bâtiment, pour pouvoir faire des classes supplémentaires. Le fait d'engager de l'investissement et sur l'immobilier donne une autre image de l'établissement, une image certainement plus dynamique. Présent dans près de 150 communes, notre réseau scolarise 42% des enfants et jeunes du département. 6 enfants et jeunes sur 10 au cours de leur scolarité seront inscrits dans nos écoles, collèges ou lycées. Implanté au cœur des territoires, en proximité avec les familles, notre réseau contribue à imprimer un style éducatif, pastoral et relationnel dans ce département où l'école est vécue comme un instrument de progression sociale. En moins de 10 ans, le nombre de naissances enregistrées en Finistère s'est réduit de 10 000 à 8 000, soit moins 20%. Le nombre d'enseignants mis à disposition par l'Académie, mais également les conséquences sur les ressources financières se font d'ores et déjà sentir. Les communautés éducatives sont placées sous la responsabilité des chefs d'établissement. Les OGEC constituent les supports juridiques de ces établissements. Nous avons cette chance en Finistère que plus de 1 000 bénévoles accompagnent et soutiennent au quotidien l'activité et les responsabilités assumées par ces chefs d'établissement. Briec, Brest, Rédéné, nous retrouvons maintenant Liberata Marc, qui est le chef d'établissement de cette belle école Notre-Dame-de-Lorette. Une école de 6 classes avec 137 élèves cette année. Ici, l'IDOGEC a été très présent et l'est encore depuis 2 ans que maintenant je suis à la direction de cette école, notamment dans le domaine des ressources humaines, où il a fallu retravailler dès ma prise de fonction ici pour réorganiser un peu l'école. Et c'est moi qui ai pris contact avec l'IDOGEC. Ils sont venus sur l'école m'accompagner pour traiter des dossiers comme du licenciement jusqu'à réorganiser les emplois du temps. Ça a été vraiment un travail, un partenariat, j'ai envie de dire quand même, parce qu'ils sont quand même très présents et ils le sont encore aujourd'hui. Je pense qu'on a vraiment besoin, nous, chefs d'établissement, d'avoir l'IDOGEC pour nous appuyer, nous accompagner dans les domaines économiques et sociaux, mais aussi dans la gestion et les finances de nos OGEC. J'ai été formée pendant 2 ans, on a été quand même formée et accompagnée par l'IDOGEC. Et je trouve que c'est une formation complète et je trouve qu'on a mieux la main quand on prend une direction avec la formation qu'on a eue. Devenir ce qu'on est appelé à être dans la vie, être dans le monde, y prendre sa place et y contribuer en tant que personne libre et responsable, c'est cela que l'Église a voulu en créant l'école catholique ouverte à tous, quelles que soient ses convictions. La présence de l'Église dans ce domaine de l'éducation, comme celui de la santé d'ailleurs, c'est pour prendre soin de la personne à la manière du Christ, en la faisant grandir ou en la soignant. Dans nos établissements, cela se fait par la vie quotidienne, animée d'un esprit évangélique de liberté et de charité, par l'apprentissage de la relation à l'autre, l'ouverture au dialogue et aux autres cultures, par l'éducation à la fraternité, par l'apprentissage de la solidarité et bien entendu par l'éveil spirituel à travers la catéchèse, la culture religieuse, les temps forts, l'éducation à l'intériorité. Tout le monde n'est pas chrétien ou n'est pas amené à l'être dans nos établissements, mais les élèves, les familles, les adultes de la communauté
ont l'occasion de découvrir le Christ, découvrir son message d'amour qui nous aide à mieux aimer, à mieux s'aimer et à devenir plus soi-même pour le service de tous. Je vous présente maintenant Tiphaine Didoux et Lionel Yvain. Tiphaine est chef d'établissement à l'école Sainte-Thérèse de Guilherme et Lionel est le président de l'OGEC. Je suis arrivée sur l'école Sainte-Thérèse dans un contexte d'effectifs décroissants et de démographie relativement stable sur Guilherme. Donc j'ai commencé par dresser un état des lieux en lien avec l'UDOGEC. Donc il nous fallait recenser les besoins auprès de l'équipe éducative pour savoir un petit peu ce sur quoi il faudra intervenir. L'idée c'était donc de passer par un projet immobilier pour dynamiser l'établissement et donc ainsi renforcer la qualité d'accueil des élèves et le rayonnement sur la commune. J'ai rencontré en fait Madame Didoux assez rapidement quand elle est arrivée dans l'établissement. Elle m'a parlé de ses projets pour rénover l'école et ça me paraissait intéressant et un beau défi à remplir. Et donc on a voulu mettre un gros coup d'accélérateur sur le bâtiment des maternelles en rénovant la totalité du bâtiment qui est comme ça depuis déjà peut-être 30 ou 40 ans. L'UDOGEC soutient et accompagne les personnes en charge de porter le projet d'établissement. Le chef d'établissement bien évidemment, le président, mais c'est aussi toute la communauté éducative au service des élèves. Au nom du LUDOGEC, je tiens à remercier tous les bénévoles des OGEC et autres structures qui accompagnent nos écoles et établissements dans ce département. Nous nous sommes donné cette année une ligne directrice qu'on pourrait formuler de la manière suivante. Héritiers et bâtisseurs, ensemble, construire l'avenir de l'enseignement catholique du Finistère. C'est-à-dire, comment anticiper l'enseignement catholique de 2030 ? Autour peut-être de plusieurs visées principales. Comment, tout d'abord, renforçons-nous, consolidons-nous la proposition d'éducation que porte l'enseignement catholique du Finistère au service des enfants et des jeunes, au service de leurs familles, au service des territoires dans lesquels sont implantés nos établissements. Deuxième visée forte, eh bien, c'est comment rejoignons-nous toutes les familles du Finistère, ou tout au moins le plus grand nombre, y compris aujourd'hui celles qui ne connaissent pas encore l'enseignement catholique ou celles qui en ont une représentation inexacte. Enfin, troisièmement, nous aurons à réfléchir ensemble, mais les choses sont déjà à l'œuvre depuis plusieurs années, elles le sont de manière permanente parce que l'enseignement catholique est une organisation vivante, très vivante. Nous aurons effectivement à analyser et à anticiper les adaptations du réseau de l'enseignement catholique du Finistère qui seront les plus porteuses pour l'avenir. Et ces adaptations que nous sommes en train de réfléchir ensemble et auxquelles vous contribuez ont bien pour but de répondre aux évolutions de toute nature qui traversent notre environnement, qui traversent notre société et qui traversent donc l'école, évolution démographique, évolution économique, évolution numérique, évolution des attentes et des besoins de la société, évolution environnementale. C'est bien à l'ensemble de ces défis que l'enseignement catholique répond avec le projet d'éducation qui est le sien, avec la proposition qualifiée qui est la sienne et dont nous disions tout à l'heure que ce projet d'éducation et cette proposition qualifiée sont d'abord profondément nourris du message de l'Évangile dont nous nous efforçons chaque jour de porter le témoignage auprès des personnes, enfants, jeunes et adultes.